Salut. J'avais promis, enfin j'avais prévu de faire une vidéo pour tester le nouveau matériel et en particulier le micro. Donc vu que c'est un micro, je vais tester plus précisément parce qu'il n'y avait pas que micro. Autant faire à l'extérieur. Donc d'où la raison pour laquelle j'ai filmé des scènes d'extérieur durant, enfin ce que je fais actuellement, durant mes activités physiques en fait. Le micro dont je parle, c'est le Rode VideoMic Rekord. Bon, c'est un micro de l'entreprise Rode qui fait quand même de très bons matériels. Ils font pas que des micros d'ailleurs. Et celui-ci, contrairement au micro que j'ai déjà utilisé, que j'utilise par exemple celui-là que j'utilise actuellement, que j'ai emprunté, parce que je peux pas filmer, enfin je peux pas enregistrer avec ça et vous l'expliquer en même temps. En fait, c'est un micro directionnel, un micro canon. Supercardioïde. En fait, il y a plusieurs types de directivité. Il y a les cardioïdes, supercardioïdes, hypercardioïdes. Celui-ci va enregistrer en fait isoler le son qui se trouve devant en fait le micro. En fait, on n'entendra pas les bruits qui sont à gauche et à droite. On n'entend que les bruits qui proviennent de l'avant et légèrement les bruits qui viendront vers ici. C'est un peu le défaut en fait des supercardioïdes, sachant que les cardioïdes enregistrent seulement ce qu'il y a devant, mais un peu plus, un peu dans la largeur aussi. Alors que celui-là va vraiment fixer ce qu'il y a devant soi, et comme ça on n'aura pas les bruits perturbateurs à côté. Donc là je suis pas un dictaphone, donc je pense qu'on doit entendre les bruits qui se trouvent à gauche à droite. Alors qu'avec ça, on risquerait pas d'entendre tout, enfin par exemple le vent qui, enfin le vent si, mais les voitures qui passent à côté par exemple. Parce que là il y a un autoroute de l'autre côté, là il y a une, oui il y a une route aussi, il y a des gens qui jouent au tennis de l'autre côté. Et tout ça s'entend généralement quand tu utilises un micro qui n'est pas très bien isolé. Donc, par exemple, si j'utilisais le micro de l'appareil, on entendrait tout ça.
Donc avec celui-là, on a l'avantage de bien, enfin, d'entendre seulement ce qu'on souhaite, ce qu'on fixe en fait, ce qu'on vise avec, avec le micro. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié avec dessus, c'est qu'en fait, un filtre passe-haut. En fait, c'est un bouton qui va, une fois activé, qui va permettre d'enregistrer seulement les sons émises par, enfin, les sons émis par un être humain en fait. Quand je suis en train de parler, on entend que ce que je, enfin, on entend que ma voix. Et le micro va automatiquement enlever tous les bruits qui sont environnants. Normalement, on peut le faire ça sur un ordinateur, en fait, avec un equalizer, mais là, on a l'avantage de faire ça directement une fois qu'on est en train de tourner. Et on gagne du temps. Le seul bémol que j'aurais à dire par rapport à ce micro-là, c'est que pour régler le gain, il faut enlever la batterie et avec un tournevis bouger les boutons qui sont à l'intérieur. Ce qu'on pourrait faire avec, alors qu'il aurait fallu juste mettre des boutons à côté pour le, enfin, pour modifier. Et du coup, on peut facilement perdre du temps si on se rend compte que finalement le micro n'est pas très adapté. Un train qui passe. Ouais, c'est bon. Donc voilà, pour ce qui est du micro, enfin, par rapport au prix, bon, déjà que je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert, donc je ne vais pas me plaindre. Mais par rapport au prix qu'il vaut, c'est quand même un très beau micro. Pour ce que j'ai pu faire en tout cas, ça va être justement pour mon petit projet de court-métrage. D'ailleurs, avant que j'oublie, je sais qu'il va me regarder. Enfin, la personne qui, oui, toi qui vas faire la voix, j'ai trouvé le lieu du tournage. C'est pas très loin de l'endroit où on s'était vu avec Flo. Bon, je pense que j'ai rien spoilé pour l'instant. Oui, je t'enverrai des photos pour que tu puisses voir. Oui, au sujet de, justement au sujet de ce projet-là de petit métrage. Bon, là, j'ai quasiment fini. Enfin, j'ai commencé l'écriture, j'ai pas fini. Le lieu de tournage, c'est quasiment fait. Maintenant, le souci, ça va être plutôt les sous, en fait. Parce que c'est pas du tout gratuit. Mais bon, j'en parlerai un peu plus prochainement. Bon, voilà, pour ce qui était le test du micro. Donc maintenant il y aura des vidéos plus sérieuses, on va dire, en parenthèse, il n'y aura plus des sons qui cassent les oreilles. À bientôt.